Alors, c'est qui est en PLS? Est-ce que t'es en PLS.com? Là, elle... C'était bien, je suis posée. Là, elle m'a dit que si elle se lève, elle gerbe à fond. J'ai pas dit ça. Regardez-moi cette... J'ai la nausée. Yo, la mif, ça va hey ou quoi? Pourquoi tu fais ta warrior? Il faut mettre des baskets. Ouais. Et comment? Ouais, j'ai des baskets. T'as des baskets? Ouais, je les ai mis. Ça va ou quoi, la bamboulette? Et toi, mon amour? Et oh, tu te calmes de m'appeler comme ça, là, devant la caméra? Yo la mif, alors là, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, je vais vous expliquer le contexte. En fait, comme vous avez pu voir, c'était l'anniversaire de la bamboulette et du B.I.G., you know what I'm saying? Et puis du coup, j'ai voulu faire une surprise à la bamboulette, mais elle là, je vous montre, elle, et ben elle fouine partout. Non, j'ai pas fouiné, c'est venu comme ça. Est-ce que tu penses que je devrais laisser ça ou mettre... Bah non, un jogging. Mais j'ai pas de jogging. Je t'ai ramené un jogging. Vous voyez, moi je prépare tout. Après, les gens qui vont dire, ouais, Jimmy, oh, mais carrément, tu m'as il mis prépare jamais. Mais oh, de toute façon, c'est un jogging, hein, tu vas juste proche. Sauter. Donc en fait, les amis... T'es sûr qu'on doit être en jogging? Mais oui. Et du coup, en fait, voilà, j'ai voulu lui faire une surprise. Donc du coup, un saut en parachute. Et du coup, bah, elle a découvert ça. Donc du coup, bon, bah, la surprise, elle est pétée x2. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, là, les amis, on va faire un saut en parachute à plus de 4000 mètres. Donc je vous cache pas, les amis, aujourd'hui, j'étais en train de monter des clips. J'étais en train de stresser. J'ai chié je sais pas combien de fois. Waouh. C'est des informations intéressantes. Non, mais hey, je vous promets... Moi, je vous cache pas, j'étais dans le mal, mais là, tout de suite, là, ça va un peu mieux. Moi, j'ai envie de faire pipi, là. Ah ouais? Non, il y a des toilettes là-bas. Mais ouais, du coup, là, on va faire un saut en parachute. Donc, du coup, j'ai pris la totale. J'ai pris les caméras, comme ça, on verra à l'intérieur. Non, c'est eux. Oui. En fait, ça, c'est un truc aussi qui est un peu chiant. C'est que ces malins, ils disent, oui, alors, faut pas ramener... des trucs électroniques, tout ça. Bah oui, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour avoir des souvenirs? Oui, bah en fait, non, on peut embarquer que nos GoPro et tout mais ça. Bien sûr. Putain, j'avais trop la haine. Donc du coup, c'est 90 balles par personne en plus. Eh ben. Ouais, donc voilà. Donc là, voilà, ça fait un... De toute façon, je peux vous dire le prix, hein, on s'en fout. Nous, on n'est pas tabou. Donc du coup, pour sauter en tandem, deux personnes avec les GoPro, ça coûte... Attention les oreilles. Attention les oreilles. Non, attention les oreilles. Wow. 760 euros. Wow. Ouais, 760 euros, donc ça fait mal. Punaise. Non, mais j'ai marié, enfin, on n'est pas encore mariés, mais dis donc, j'ai choisi le bon parti, là. Et vous savez, ça, c'est des phrases par contre, de pauvres, ça. Tu m'as ramené un t-shirt ou pas? Ah non, j'ai pas ramené de t-shirt. Ah, ça ramène des jogos, par contre, ça ramène pas du tout. Mais je t'ai ramené un pull. Non, mais je vais pas y aller en pull. Mais t'inquiète pas que tu vas avoir froid en haut. Donc voilà les amis, donc 760 euros, en vrai ça fait un billet, ça... Mais bon, on s'en fout, hein, c'est de l'argent, de toute façon, bon... Voilà, hein. Parce qu'il y en a une qui m'a promis qu'elle allait être riche. Hein? Non, tu m'as promis. Hein? Quand on s'est rencontrés, tu m'as dit, t'inquiète, moi je suis née pour être riche. Non, oh la mytho. J'ai... I'm waiting. Attends, attends. I'm waiting. Quelle heure est-il? Eh, mais il faut qu'on y aille. Mais oui, déjà d'une, j'ai jamais dit que j'allais être riche. Mais vas-y les amis, il faut qu'elle soit riche là. Là, je suis en train de la ralasse comme pas possible. Mais bon, vas-y, on s'en fout. Donc là, sont en parachute. Je vous... Sérieux là? Non, mais je rigole. Oh. Mais là, je vous cache pas, le truc que je vais faire, on va monter. Dès qu'il va ouvrir la porte, je vais dire, je saute direct. Il n'y a pas de blabla, c'est je saute direct. Parce que si t'es là, tu réfléchis, tu vas mettre 1000 ans, tu vas te stresser. Donc dès qu'il ouvre les portes, il dit, t'es prêt? Ouais. Boum! Et là, je saute direct, les amis. Donc là, en tout cas... J'ai ramené ça. Ouais. Est-ce que t'as un petit truc à dire avant? Bah non, on espère qu'on va pas mourir. Ouais, j'avoue. Voilà. En et espérant. Bah, merci pour le cadeau, pour nos 8 ans, du coup, vu que c'est notre anniversaire. Merci, mon amour. Yes, de rien, frérot. Et ça, ouais, ça va rester dans les annales. Hein. Purée, ouais. J'espère que tu as pas tombé dans les pommes. Ah, ah ouais. Parce que du coup, toi, t'as peur, toi? Eh, tu te calmes, toi? Non, j'avoue que je stresse, je suis pas un gars qui aime bien les trucs à sensation fort. Arrête de bouger, là, c'est chiant, caméra. Eh, mais eh, elle est tarée, cette folle. Non, mais c'est trop chiant quand tu bouges. Eh, tu te calmes, c'est moi qui ai la caméra. Et du coup, les amis, bon, on se dit à tout à l'heure. Donc, en espérant, si vous voyez la suite, c'est que je suis vivant. Si vous voyez pas la suite, bon, bah, c'est qu'il s'est passé un truc dramatique. Mais non, on va pas partir de ce truc-là. Donc là, les amis, je vais vous expliquer. Alors, il y aura un petit brief. Il y aura 20 minutes de survol du bassin d'Arcachon. Et ensuite, let's go, une chute. 8 minutes de parachute. Et voilà. Donc, à tout à l'heure, les amis.
et que voilà, t'as un petit mot à dire? Que le dieu du sang mon fait soit avec vous. Yes, bien vu, allez, let's go. Ah non, ça tu mettras dans ta vie. Bon alors, quelles sont tes appréhensions? Bah en vrai, je dirais rien, tu vois. Là j'essaie de vider ma tête de tout ça, et dès que la porte elle s'ouvre, comme j'ai dit, boum, tu vois, je saute direct, il n'y a pas de blabla. Et voilà, après, tu sais, je dis ça dans l'avion, je dis non, je vais plus sauter. J'avoue, hein. Et toi? Moi, la seule appréhension que j'ai, c'est à l'atterrissage. Ah ouais? Parce que si tu mets mal tes mains, t'as les jambes crachées, quoi. Ouais. Donc, moi, je dirais que c'est ça, mon appréhension. C'est que j'ai peur de... Moi, j'espère juste que je vais pas m'évanouir. Franchement, je pense qu'il y a moyen que tu t'évanouisses pas, parce que... Quand tu penses, enfin, t'étais quand même cycliste, tu vois. Il y a des sensations fortes. Non, ouais, mais c'est pas pareil. Là, ça n'a rien à voir. Et puis dédicace à mon padré. Lui, il a fait 57 sauts en parachute parce qu'il était parachutiste. C'est énorme. Donc en plus, je l'ai appelé juste avant. Il a dit, ah, t'inquiète, t'as les pétoches là. Et mon gars. T'as les pétoches là. Non, là, ça va mieux. Donc on verra, hein, comment ça va se passer, mais je pense que ça va bien se passer, tu vois. J'espère juste que je vais pas m'évanouir et apprécier de ces 5 secondes de chute libre. Après, ça sera la détente. Ouais, c'est clair. Ça faudra apprécier la vue. Hein. Ouais. Donc voilà. Ça va, Mélissa, ouais. C'était bien. Ouais, c'est cool. Trop bien. C'était trop bien. Ah, je suis trop contente. Oh my god. Allez. Olé. Jizzy, tu l'as fait. Papa. Bien là, bien joué, mon pote. T'as été magique. Ah ouais. À plus la caméra, ciao. Yo 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 la famille, retour sur la terre ferme. Ouais. Alors, ouh, il y en a une là qui est dans le mal là. Ah ouais. Il y en a une qui est dans le mal là. Problème d'oreille interne. C'est comment, comment? So caca. Alors, tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? T'as kiffé tout ça? Bah ouais, franchement super. On a mis les tenues déjà pour commencer après. Et ensuite. Ouais. Les choses sérieuses sont arrivées. Hein. Ouais, du coup c'est elle est partie en premier. Et juste avant j'ai vu la première femme partir en premier. Et quand je l'ai vue partir, je me suis dit waouh, mais c'est hardcore, comment genre ça part et tout. Et en fait elle est partie en. Je fais que de bouger, je ouais, elle est partie en première. Bah vas-y, prends la cam. Bah au pire, pose-la sur ta voiture. Ah regarde. Ouais. Eh mais t'es pas bête toi. Bah ouais, je sais. Pourquoi tu ne mets pas là? Mais c'est parce que sinon ça va descendre. Oh bah regarde. Waouh, super. On est mieux là. Purée, c'est toi le
le caméraman. Et tu te calmes toi, sinon je te slappe les fesses. Ouais, vas-y. Donc après, c'est elle qui est partie en première. Et quand elle est partie, j'ai fait blood clad, j'ai fait wouah. J'ai fait wouah, mais c'est comme ça qu'on part et tout. Et attends, suite... avant, on n'a pas dit. Parce que du coup, moi, j'ai décidé de partir en arrière, ou pas en avant. Ah, du coup, t'es partie en arrière? Ouais. Ah, j'ai pas fait gaffe. Alors, je crois. Attends. On s'est reculé? Oui, si, on est parti en arrière. Ah oui, c'est bon, mais maintenant, je m'en souviens. Ouais, ouais. En fait, moi, j'étais... Donc, tu vois, là, t'as l'avion. Et moi, mes pieds, ils étaient dans le vide. Donc, on a sauté, mais il a sauté comme ça. Ah, c'était chaud. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais c'était trop bien. Oh, et j'ai eu... En sensation, je saurais pas dire, c'était un mélange d'euphorie, d'adrénaline, ouais, c'était... Sur le coup, je crois que j'ai même pas capté que je suis sautée, que je sautais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais vas-y, continue. Et ouais, là où j'ai vraiment vu que j'ai sauté, c'est quand on s'est remis par devant et que j'ai vu tout le sol. Là, ouais. Je me suis dit, wow, c'est chaud quand même. Ouais. Et ouais, c'était incroyable. Ouais, du coup, elle est partie en première et puis après, je suis parti après. Et quand je suis parti... J'ai fait des trucs, de toute façon vous verrez sûrement en vidéo juste avant. Genre j'étais comme ça, je faisais ça. Waouh, t'as failli. Pardon. Je faisais ça pareil avec mes jambes. Et je me disais, alors que mais on nous a dit, ça on nous a dit, tu restes comme ça, tranquille, avec les jambes bien serrées. Et non, lui il décide de faire du yaourt. Et les amis, je sais pas ce qui m'a pris. Toi t'es typiquement la personne dans les films qui va mourir, tu vois. Ah ouais. On te dit de pas faire ça, tu fais. En plus le truc c'est que tac, je saute. C'était quoi ce rire? Vrai dinosaure. C'est clair. Et du coup, boum, je pars. Déjà, je crois que j'ai fermé les yeux tellement j'étais en panique. Et comme je vous ai dit, j'ai fait ça parce qu'en fait, ma température. Ma respiration, elle s'est coupée. Et du coup, je me suis dit dans ma tête, oh non, je vais pas mourir là et tout. Et du coup, j'étais là, j'étais comme ça. Et dans ma tête, j'en suis sûr, le gars derrière, il devait rigoler parce que ça faisait genre, tu sais, là, genre les bébés que tu tiens comme ça. Et tu vois, ils font des trucs comme ça. Et après, j'ai réussi à me rétablir. Et après, là, j'ai vu la truc. Ah, mais ça veut dire que ça veut dire que t'as lâché tes mains avant qu'il te fasse ça. Ouais. En fait, il a fait ça. Regarde, on était là. Je crois que quand on est parti, j'ai lâché. J'ai fait... Oh là là. Mais t'as rien compris, purée. Ah ouais. T'aurais pu le mettre en danger. Bah ouais, mais t'as désolé. T'as failli mourir. Bah désolé. Par ta propre faute. Mmh. Et du coup, après, ils ont dit c'est entre 40 et 50 secondes de chute libre à entre 200 et 280 km/h. Tu sors d'où ces données? Bah, il l'a dit. Moi, j'ai entendu juste 200. Non, il a dit entre 200 et 280. Ah ouais? Attends, on dirait ta voix, elle a changé. Bah, elle a changé parce que j'ai hurlé. Et du coup, voilà, boum, 40 à 50 secondes de chute libre. Et ensuite, après, parachute. Du coup, il faisait un peu des figures, ça faisait un peu stressé. Parce que tu vois, genre, t'es là, t'as les jambes dans le vide. C'est trop bizarre la sensation. Est-ce que toi, t'as piloté l'avion? Le parachute? Non. Moi, je l'ai fait. Ah ouais? Ouais. Ça va, et elle est privilégiée. Ouais. Déjà, elle se fait payer le saut. Ouais. Pilotage. Tranquille. Ouais. Il m'a dit, vas-y, tu prends les deux anses là, donc ouais. Les machins jaunes. Après, j'ai tiré à gauche. Donc, on a fait. Et après, j'ai tiré à droite. Ah, ouais. Et après, j'ai tiré comme ça. Ah, c'était vraiment trop lourd. Ouais. Et moi, je te voyais comme ça. Ah ouais, moi, je devais faire des têtes et tout. Parce qu'à un moment, on a tourné, on a fait. Ouais, comme voilà. Ça. Et il a dit, vas-y, regarde-les tout ça, je te regardais et tout. Bah, c'était moi qui étais en train de piloter. Ah ouais? Ouais. Ouais, trop lourd. Non, tu l'as pas fait? Non, moi je l'ai pas fait. Bah peut-être qu'il a senti que... Ah ouais, moi j'étais pas serein. C'était le maillon faible. Non, on allait mourir, hein. S'il me laissait les manettes, on rentrait dans eux, ça y est. Même à un moment, tu vois, genre, il y avait des gars juste en dessous. Dans ma tête, je me suis dit, mais non, il va rentrer dedans. Ouais, genre, tu sais, genre, il y avait l'autre gars là, qui était là. Ah ouais. Et genre, il était en dessous, et dans ma tête, je me suis dit, tiens, ils vont faire une mauvaise manip, on va se faire comme ça. Et franchement, ça m'a fait un peu panique, mais après, voilà. Mais en tout cas... Franchement, comme je l'ai dit, je crois que c'est le meilleur truc que j'ai fait là. C'est un truc de malade. Franchement, si vous avez l'occasion, faites-le. Je sais, ça coûte méga cher. Mais au moins, le faire une fois dans sa vie, c'est trop lourd. Et voilà, hein, franchement, trop lourd. Et toi, t'as un petit mot à dire? Bah moi, je remercie la Mme. Et oh, et on coupe ça, on coupe ça. Vas-y, tu peux la refaire? Merci, Mme. Et oh, on se calme là. Non, bah. Franchement, tout ce que j'ai à dire, voilà, je sais que je voulais le faire dans ma vie, mais c'est vrai que c'est pas des choses auxquelles tu penses forcément. Donc, merci pour cette idée, merci pour cette expérience. On s'est envoyé en l'air littéralement. Ouais.
Ouais, c'était une expérience de dingue. Incroyable. Donc voilà les amis, la vidéo elle s'achève ici. Donc comme vous avez pu voir la chute précédemment, moi là je dois vite rentrer parce que je dois prendre un train pour aller à Paris. Puis voilà, le charbon continue, force à vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et puis j'espère que vous avez rigolé. Et puis voilà. Ouais. Voilà. Tout ça, tout ça. Voilà, salut les amis. Salut.